pays Canada sanctionné des anciens ministres qui étaient dans le gouvernement Ariel Henry. Litz Kittel avec Berto Dossé. Yo sanctionné tout ça yo parce que yo kon financer gang dans pays d'Haïti. Yon l'autre bo, Ariel Henry bo côté pal bat bravo pour goûter reste à cause force étrangère pas loin rentrer dans pays d'Haïti. Antonio Guterres tal font ti parler et bien force là li nan route. Li tout din tout en parlant de Ariel lui, préparez-nous parce que l'autre année c'est pral yon année électorale. Prend quatre nous, mettez l'on côté qui prêt pour nal voter pour candidat nou pipitoa. Et yon l'autre bon fòm di ou, gen de haïtiens qui mouri kangrenen nan pays Saint-Domingue nan cadre yon accident. M'pral bon tout koze honnête, m'pral bon tout détail yo, m'ap seulement sal yo et m'ap di ou comment yé est-ce que w'ap tchimbi. Moi même pas trop en forme, ou capable remarquer ça nan voix parce que nou gon grippe qui maré des pieds qui minoté des bras. Comment nous encore une fois, pays Canada pour yon énième fois sanctionné des majonjo, des autobré nan pays d'Haïti, des nèg qui te pensé c'est eux même celle qui l'into nan pays d'Haïti malgré te gen tan gen bruit couri, y a des visa comprendre yo pa ba yo nan divers ambassades. Et bien cette fois-ci, c'est tout pas pays Canada. Canada prend sanction contre Litz Kittel. Litz Kittel que nous rappelons non tout ça, il était cité déjà en tant que ministre intérieur, il était cité dans un kidnapping qui était fait sous pasteur Ferré. Jean-Luc Kun bayon interview dans une radio qui gon masse écoute qui gon émission en dit débat. Ils ont on qui m'a besoin parler trois fois, m'a dit comprendre non on. Et bien mes chers amis, par la suite monsieur d'après il t'a pas parler pour te demander ravisser ou libérer pasteur Ferré. Après émission finie, nous t'étendons pasteur Ferré libéré. Ça, ça titre rappel. Quant à Roberto Dossé, m'a rappelé nous, c'est ancien ministre justice. Tout ça, il était remplacé Rockefeller Vincent après monsieur t'a demandé il faut que Ariel Henry en parlant de Rockefeller oui, elle répond une question sur dossier assassinat Jovenel là. Ariel t'a trouvé c'est trop fréquencité, il était révoqué et révoqué Rockefeller Vincent, il t'a pas remplacé le Roberto Dossé. Et bien tous les détails ça là, mes chers amis pays Canada annoncé nèg yo nan financer gang yo gen habitude faire ça depuis un bon bout de temps, yo utiliser pouvoir yo pour capable faire zanmi avec gang ba gang yo zam munition ba ou l'argent les ça nécessaire pour yo capable fonctionner. Et en même temps nèg yo nan corruption, yo nan blanchiment d'argent, c'est toute raison ça yo qui la cause pays Canada sanctionner nèg yo. Et si toutefois nèg yo te gagné yon bien nan pays Canada, bien ça va même besoin mettre espoir sous li parce que gouvernement canadien li saisi nèg yo pa ka mete point pied yo nan pays ici là. M'din ça déjà oui. Moi senti que délivrance pays d'Haïti pas trop loin. Moi senti pays ça mes chers amis, tôt ou tard nous gen pour nous sourire, tôt ou tard nous gen pour nous rejoindre escamp figi nous qui nous perdi depuis très longtemps paquet magouille sanguiné a prend pause. Parler non non peuple là tandis que c'est eux même qui prend pays à la gueule. Nan Kachubumbe li trouvé là. L'autre détail, l'autre information fòm di Ariel Henry, monsieur gon contentement là mes chers amis, son bagay qui vraiment exagéré. Monsieur di parler concernant anek gen pour entrer là, se comprend, monsieur dit en pile causé et on l'autre bord, monsieur tout li rappelle nous l'autre année son question de élection. Tout monde préparé quatre nous pour aller voter, mais il dit pour élection ça, pour arriver possible, pays d'Haïti besoin solidarité paysan miyo pour qu'a gagne sécurité pour élection capable organiser. Nous gagne volonté à détermination pour faire année 2023 yon année élection cap permettre nous remettre institution démocratique yo sous pied et puis bay moun qui peuple la lui-même li choisi dans élection pour qui diriger pays d'Haïti. Ça c'est parole docteur Ariel Henry, elle te continue pour être capable de battre bravo la contentement pour Antonio Guterres qui est secrétaire général des Nations Unies. Il fait qu'on est Antonio Guterres dit parler à Conseil général institution et sous assistance une force spécialisée il demandé pour capable venir accompagner PNH là. Il aller pour capable venir aider la police là fait face ensemble avec crise que pays d'Haïti a connaît journée aujourd'hui. Selon information que me gagne dans bon goblet dans bon timamit mes chers amis, force étrangère pas trop loin. Li pas trop loin rivé et même gens te gagne et qui comment et moun ça
qui est capable de dire une membre parlement américain qui sont en femme d'origine haïtienne, il te dit nan commencement année pour l'entrée à la mes chers amis, pays d'Haïti pour gagner une force militaire étrangère qui pral obligé rentrer là-dedans pour venir aider pays à ou été col dans Malabou senti. Et en pile monde commence à ba en pile détail, en pile bel français qui commence à sortir dans en pile bouche, prend pause yo c'est moraliste, prend pause yo c'est compatriote, même a dit nous ça à clé. Pays d'Haïti, Jean-Léa là nous avons trop temps depuis n'a mettre tétracycline sous maling là, c'est une opération puis à un bon côté player a une opération le besoin pour couper player net, sinon c'est toute partie net cap tomber en pourriti. Ça veut dire qui ça? Journée aujourd'hui on capable constater que pays d'Haïti l'a fait face avec une crise et crise là est vraiment exagérée. Nous avons insécurité sous toute forme. Si la police là, m'pa di li faible non, mais quand même li manque poids, li manque force pour ta camper goumen ensemble avec toute foire de gang sa yo qui nan pays. Et une bagaille qui grave tout. Est-ce qu'on est? Ça m'pa di non, mais m'pa di quand même pays a besoin force militaire étrangère, certes. Mais est-ce qu'on est force là qui a vini là? Si force là par l'attaque bastion problème là. Ben la pa jam résoudre, c'est comme si était là et puis pas glan rien, c'est comme si ou lave moi après ça, yo boté a comme on serviette pour sier mais on. Monde sou comprend non? Parce que yon nan bagay ki important, c'est pas gang yon non qui premier. C'est moun ka financer travail ou pays Canada fait là. Les forces étrangères ta rentré si tout quoi y a vini vrai parce que yo di yon nan route. Zo comprend d'aime di Ariel Henry gete mete sou piste là. Est-ce que là si yon ta vini vrai, yon nan bagay ki m'a mandé pou faire depuis c'est moun ki pays Canada sanctionné en tant que moun ki t'a financer gang ki gang tout. Est-ce comprend qui c'est gang avers? Est-ce que là, qui c'est patron gang yo, premier bagage pour ta faire, trace un exemple sur mon sa yo. Prends yo, mette yo en côté pour machine pas frapper. Si y a bien trop turbulence dans le pays, ya, voyage avec yo, fais au canon ou libre avion, et comme ça, bon, c'est tout bandit net, tout patron bandit, tout sponsor yo, yo pral plié que yo met en bas avant yo, pour autant la justice rive sou yo. Après ça, nous mette commencer à attaquer employé. L'on dit employé, nous parle de ISO, de Tilapli, de Mano, nous parle de Vite l'homme, tout ça kap valé terrain dans la commune et Petionville. Il prend tout route frère pour linette et mon cher a même voulu accaparer académie police. Moi, tu comprends non? Elle dit c'est mon c'est employé pour prendre un dernier pour commencement travail là. Il suppose fait sous patron. Yo laisse à moi même ma bat bravo la contentement et m'a utilisé plateforme si là pour m'ovationner. Nous m'a prend plateforme ça, mes chers amis. En vérité, ma bon m'a pas le faire tout non en plateforme militaire. Vous comprenez? Pour me toujours ba nos informations sur ça qui a fait, sur ça qui a passé concernant fossile là, c'est les mouais, yo pas venir ricaner là, pas venir faire madigridi, mais ce bagaille sérieux mes chers amis qui a venir dire. En tout cas, pays a li malade, li besoin docteur pour qu'il soigne, peut-être docteur qui là yo. Vous comprenez pas bon, pas bon non, mais au moins qui ont une spécialité quelconque. Mais si yo bien avec un force ça me penser que jouet ça que bandi a yo avec population haïtienne depuis un bon bout de temps, mon c'est jouet là li capable tout suspendre. L'autre détail, l'autre information mes chers amis, gen des haïtiens qui mouri malheureusement gangrené dans pays Saint-Domingue dans cadre yon accident. Accident passé et non zone dans pays Saint-Domingue, mais c'est un bis qui a rentré son camion et puis sortant de ya et puis ça explosé. Et puis, il y a des haïtiens qui mourent gangrené parmi tout l'autre yo. Et il y a un pilote moun qui blessé gravement grave. Yo couri avec yo l'hôpital pour y aller prendre soin. Rala compliqué comme c'est un accident. Nous pas gen trop gros commentaire qui nous fait sur ça. Mais c'est ça qui m'a dit nous, haïtiens qui l'autre bossi là, fait effort comprendre tout yo font façon pour nous veiller sous tête nous. Ça est important en pile. Elles ont bonne parce que nous même nous pas gen moun qui plaider pour nous. Elles ont bonne si c'est celle haïtien ou qui était victime d'accident, il va prendre ça comme si rien n'était. Parce que nous pas gen moun qui pour parler pour nous, nous pas gen moun qui pour représenter nous devant et dominicain yo. En tout cas, ce qui est important, on connaît en pile haïtien connaît on pas qu'un vieux moment en terre voisine, mais c'est parce que la caille pas bon qui fait nous obliger boucher nen pour n'al boire de senti à l'autre bois. Son façon de parler. A dit pour montrer que bagaille yo pas fin trop yes, bagaille pas trop normal ou gen passeport, gen visa, ça pas empêcher pour police arrêter fort habi dans optique pour prendre 200 personnes 300 personnes en main. Tandis que li roi qui est légal ou checké normalement. Si ça nan la dan nou accident nan la dan pirate comme accident li même son bagay m kapab di c'est celle bon Dieu connaît, mais ça vraiment
fait comprendre ça vraiment indigné ou bien ça vraiment attristé mes chers amis le fait que gen des haïtiens qui arrivent quand gagné on prend mais on dit me genre quand gagné même quoi ou pas besoin vrai pour ta chanter entièrement tellement yo tourner charbon pas la compliqué mes chers amis m'a dit ça là me senti qu'aime à déchirer pas oublier non pas me senti nèg entreprendre la voix information en forme de vérification rigoureuse qui fait qui pour ta permettre ou si gen on bon la main qui baille pour détecter, c'est pas évident. On y a plusieurs autres tentatives qui fait, et aussi j'ai tentative pour dédollariser pour toute transaction faite en good là. Yon, par contre, si c'est premier, même son j'ai sous président Préval, le ministre Magui Diouf, c'était ministre commerce, c'était prêt à décret qui a été pour demander pour toute transaction payée en goutte. Mais ouais, deux présidents Préval en 2008, pratiquement 2006, à jeudi, l'État a essayé d'appliquer une décision que ça ne va jamais appliquer. C'est parce que les conditions d'application n'ont probablement pas réuni. Pour que sa condition ça n'ait pas réuni, ça c'est faut l'état d'a faire évaluation ça pour qu'on ait qui ça qu'a fait finalement et ça c'est des problèmes qui assez compliqués qui d'un gouvernement à l'autre pas gagne en solution efficace qui arrive pas en fait. Et Pierre-Onel, dernière question. Zami Sadi, pour qui ça dépôt gain goud sous compte dans n'importe banque en Haïti ou pas qu'à faire un transfert sur étranger, banque Clemando, faut quoi l'acheter dollars avant pour qu'à venir faire transfert là? Pour qui ça? Pour qui ça dépôt gain goud sous compte en banque ou n'importe qui banque en Haïti ou pas qu'à faire un transfert sur l'étranger? Donc, et en dollars. Donc il dit mon banque là m'a dit il faut qu'on l'acheter dollars en vent pour qu'il vienne faire transfert là. Ah bon, ça moi on va gagner c'est pas que je le dis ou pas qu'à tout acheter ou pas qu'à tout faire transaction. Bon, c'est peut-être une question de oui de goud ou gain en dollars, donc ça veut dire même moi vivre une expérience un monde qui a un transfert dans une maison mais pour le voyer au Mexique yo balé en goud qu'on y a l'heure dit la voyer comme là au Mexique yo dit c'est pour l'acheter dollars et puis pour le retourner dans maison pour transférer comme là au Mexique en dollars by mon tandis que c'est en dollars yo voyer comme là en Bali. Mais ça, c'est ça qui vient passer dans ce genre de situation. Ça, yo. Tout le monde a essayé de tirer de la vers le côté de l'eau. Si la maison de transfert, lui-même, c'est dollars, le besoin, il connaît une nécessité pour faire transfert, là, et bien, il juste fait, au lieu que c'est lui qui a pris temps pour lui chercher dollars qui est difficile pour jouer pour tout le monde, et bien, il fait que c'est vous-même qui démêlez pour jouer dollars pour te bali. Pour les transférer risque sur où en fait. Mais par exemple dans le temps, nous songer moi-même que nous toujours continuer utiliser compte et banque en Haïti. Dans le temps, tu gain droit si gain goud sur un compte, moi t'ai carte transférer goud là en dollars juste sous site internet. Dernier jour ça en fait ça gagne quelques temps yo juste pas permettre ça fait. Donc pour que ça pas permettre ça fait, est-ce que c'est pour yo ka profiter de toi yo même ou bien est-ce que c'est pour yo ka plus gagner dollars qui attirer dollars et dépôt vers banque là. Mais pas de réponse exacte, mais j'aime dire que c'est une situation compliquée et puis tout le monde a essayé de tirer le drap vers eux-mêmes, alors que le drap n'a pas couvert tout le monde, malheureusement. Pratiquement arrivé dans la dernière ligne droite interview, je te dis avant toute dernière question. Je dis à la par rapport à ça n'y là comme situation que j'ai de comprendre qui est relative à rareté bien vers la sous marché local là qui ça solution capable ou bien qui ça élément de solution capable parce que ça aussi problème non mais quand même faut une gens soit pour nous contourner ou bien pour nous résoudre.
Mais malheureusement, ça qui passe, mon yo pense très souvent que bon solution magique et qu'on y a solution yo ou solution yo pas qu'à joindre en dehors de fondamentaux économie. Et ouais même le, de temps en temps le bon petit évolution sur marché à mon a dit oui économiste toujours parler de production là pas de production ouais taux de change apprécié mais moi j'ai toujours dit mon yo c'est pas parce que bon petit évolution pendant un jour deux jours bien quelques semaines qui fait que on économiste qui était passé tant d'habitude théorie économique à renier toute théorie. Tant que nous pas retourner à fondamentaux économiques, tout l'autre sorte n'a pas proposé ou bien nous t'a proposé, là y a paraît des solutions conjoncturelles. Vraie solution aujourd'hui, hein, c'est que ou pas on plan de relance économique dans le pays qui axé sur la production. Évidemment, ça prend temps, nous n'avons pas l'autre choix, mais je dis là, cette histoire que des pouvoirs radio ou toute publicité autant de cap parler de produits qui sont disponibles sur le marché, hein. Tous ces produits importés, c'est du riz importé, c'est l'huile importée, c'est tout, ou qui doit faire un inventaire sur tout ça qui est dans le pays, hein, et puis on va vendre sous trottoir, ou bien dans magasin, ou bien dans market dans le pays. Hein. Ou après tout bagay yo si bay importé, et bien à un certain moment, fok nan peyi an, nou fè inventaire de sa nou ka produit yo, et pou nou commence produit yo, et nou gon atik nou te ekri te très intéressant, m'ap voye l pou nou apre émission, son atik kote m te di, nan un peyi, asyèt moun yo, se pi gwo instrument de politik publik et de politik ekonomik. Mwen di politik publik, la se paske mwen konnen zanmim Yves Lafortune ap tande la e fèm sin plizye fwa pou mansyone afè politik publik ou kon Yves pa pale de politik publik. Asyèt moun yo, se pi gwo eleman de politik ekonomik et de politik publik. Ki sa mwen vle di par la? A chak fwa wap manje, parce que tout le monde mange, quel que soit, ou qui doit pas arriver à manger trois fois par jour, j'en t'ai sauté, mais tout le monde mange dans le pays. À chaque fois qu'on assiette manger dans le monde, gardez pour qui ça produit dans le pays et qui ça pas produit dans le pays. Si dans l'assiette, la presque pas gagné qui produit dans le pays, et bien mettez dans la tête où, ou à contribuer justement à pénurie de dollars, ça n'a pas l'air, parce que tout ça dans l'assiette, si dans le pays étranger, on saute 100 dollars, il n'y a pas acheté. Et ou en même temps tout ou a créé un job dans l'autre pays parce que paysan qui produit du riz importé ou a manger dans pays côté lié l'on acheté c'est un que ces paysan ça ou a subventionné et au détriment de paysan dans pays pour là évidemment ça veut dire tout en termes de politique publique faut bon responsabilité pour autorité au prend parce que je dis en pile moun toujours dit Thomas chaque temps a suggéré moun yo consommer local mais tout produit local yo plus cher que produit importé. Yon nan raison que fait produit local yo plus cher c'est parce que à un certain moment on a décidé éliminer tarif douanier yo. Évidemment le éliminer tarif douanier yo dans moment nous éliminer là gain plus produit importé sur marché qui fait moun te content sur nanfi par exemple ou te gain 3 boîtes lettres pour 5 gouttes mais après ou pral wè que si ça durit te vann bon marché mais après on vinn pa gen production nationale encore et ou paye ça cher jodi a donc élément ça yo en aucun cas problème n'a pas résoudre sur le long terme sans pa gen prise de conscience nan niveau ça qui prend et sans pa gen un effort collectif qui fait nan sens ça non seulement l'État, autorité a pris des mesures pour encourager production. Secteur privé a bayo des incitatifs pour investir dans production nationale. Je veux dire, pas grand pile usine encore créée dans pays, pas grand grand chose qui a produit dans pays. Et en même temps tout, nous même comme citoyens, comme consommateurs, faut nous d'accord pour nous consommer local, pour consommer produit local. Et par exemple, même États-Unis, ça le fait. Bon,
une loi aux États-Unis qui est le Buy American Act. Avant pour instance locale qui plus c'est gouvernement, qui plus c'est municipalité, qui plus son état, avant pour yo décider pour yo acheter produit qui fait dans pays étranger, faut yo sûr que c'est pas un produit qui ka fait dans pays. Nous même nous fait exactement le contraire en Haïti. Nous prenons plaisir dans consommer produit qui est importé, dans acheter ça qui sorti dans pays étranger. Alors que nous pas voulons encourager ça qui fait dans le pays, bien que très souvent ça qui fait dans le pays a bon problème de qualité de standard qui méritait pour créer pour qui pour gérer tout. Voilà. Et mais du contact avec qui? Oui. Allô, Thomas Lalim? Oui, moi là. Une petite précision que j'ai besoin, et non, poser question ça déjà, même des besoins de précision. Par exemple, le BRH a demandé ou bien demandé à la Banque centrale américaine pour imprimer dollars pour lui. Qui ça, BRH lui-même lui baille en retour? Qui ça, il change là? Oui. Bien quand on tourne sur ça, sur Twitter, moi, il y a plusieurs monde qui te posent une question. Est-ce que c'est un goût de payer? Justement, ce n'est pas un goût de payer. Justement, c'est ça qui fait moi te parler tout à l'heure de réserve yo. C'est pas sans raison non, te parler de réserve net de change yo, réserve internationale net yo. C'est parce que justement dans réserve ça m'a prendre compte de dire réserve net internationale de change yo, gen là-dedans yo les avoirs en devise constituée de billets et pièces, les dépôts de la banque centrale dans les banques étrangères et des placements à l'étranger. Ça veut dire bon bah l'autre composante c'est l'or valeur en dollars de la quantité d'or détenue par les autorités monétaires dans les banques étrangères et aussi les droits de tirage spéciaux et la position de réserve au FMI. C'est trois composantes ça qui viennent dans la réserve internationale yo. Mais malheureusement, réserve internationale net, nous j'ai dit déjà m'a reprendre, yo diminué drastiquement en septembre 2019, yo était autour de 750 millions, jodi an là yo à peine 142 millions. Donc c'est avec réserve ça yo justement que banque centrale détenue dans les banques étrangères, notamment auprès de la banque centrale américaine, que l'ICA a utilisé selon une entente, une planification. Gouverneur banque centrale a été expliqué dans l'entrevue que le débat Kistner Farrell le 2 janvier 2022, que banque centrale Haïti, apparemment, c'est la seule banque centrale dans la zone, d'après sa monsieur, est confirmé, qui te gen en pratique vraiment importer quantité l'argent américain comme ça. Mais pour importer, hein, c'est pas good que l'utiliser pour le payer, j'ai zami a demandé moi sur Twitter, hein, c'est réserve internationale net ça yo que l'utiliser que dépôt ça yo que le gagne dans banque étrangère pour lui dire la partie la donne parce que les besoins dollars pour transaction. Et ça veut dire c'est l'État ici en fait. BRH t'a dit que la paiement de BRH, en fait, Banque Centrale Américaine pour imprimer dollars pour lui, l'a qu'a imprimé seulement 142 millions. En fait, on dit imprimer, mais c'est. Oui. C'est pratiquement par analogie, guerrier. Par analogie, c'est un pays qui gagne un compte dans l'autre banque étrangère. Donc, l'idée par analogie tout tu as doit dire en aucun cas il va faire plus ou retrait que ça le gain sous compte là. Donc c'est par analogie, c'est à peu près ça. Mais l'autre aspect à tout c'est que gouverneur, et ça m'a pas souligné pour tout à l'heure, c'est que à un certain moment banque centrale américaine te prend temps, d'après sa gouverneur banque centrale BRH là te dit que ça te prend plusieurs mois, si je ne me trompe pas, presque 6 mois, où la Banque Centrale Américaine vérifie toute procédure Banque Centrale, Banque BRH, pour être sûr que comme ça, on va le transférer, sauf comme qui va aller dans ce circuit formel, là, qui en aucun cas, pas de aucune possibilité pour le temps, un bagage qui a participé d'une façon ou l'autre.
qui t'a lié à la question blanchiment ou financement du terrorisme. Blanchiment et financement du terrorisme sont bagailles que au niveau international, ils sont très stricts sous lui. Donc ou vin ou ka comprendre pour qui ça c'est pour opération qui ça. Pour une réserve internationale net de change, j'en te dit tout à l'heure que je dis la banque centrale très limitée par montant que elle ca exiger pour l'importer sur marché hein. Faut nous rappeler que sous président Préval, réserve ça yo internationale net ça yo était environ 1.2, je crois, puis on est même arrivé jusqu'à 1.8 milliards de dollars américains. Réserve nette de change, ça y est, sous président Préval, avant le président Préval était encore en fonction. Donc, le ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Mounio, en fait, l'État haïtien, a gagné plus de latitude pour te importer, pour te alimenter le marché. Hein? Et ça veut dire tout que l'État haïtien est plus en mesure pour te faire face à en finance internationale, il y aurait sa bulle spéculative. Bulle spéculative là, ça fait dans l'autre pays, pas seulement en Haïti. C'est un conseil de nèg qui gagne gros l'argent dans le pays qui estime que autorité l'État est en situation de faiblesse. Comme yon situation de faiblesse, yon a pu utiliser position yon gain dans le système financier pour yon profiter de lui. Par exemple, pour augmenter taux de change. Parce que le augmenter taux de change là, c'est un l'argent yon fait sans, on bien sans souhait, yon ta gen doit dire. Plus yon connaît l'État gen moyen pour faire face à ça, par exemple, en termes de réserve net, c'est moins yon tenter faire bulle spéculative parce que on est l'État a des moyens pour contrer ça. Le réserve net au faible, et eh ben monsieur monde qui t'a gagné intention ça yo dit que si on frappe qu'on y a là, l'État a moins moyens pour les répondre à ça. Évidemment, bon tout préciser ça parce que banque centrale t'a mentionné ça non tweet li t'a fait semaine passée hein. Li te di si réserve internationale net yo diminue drastiquement, réserve brut yo rete quand même relativement élevé. Et ça me juste mentionné pour comme banque centrale te fait tweet ça sorti, moi ba information pour yo, yo di réserve internationale brut là, li estimé pour le moment à 2.2 milliards de dollars américains et yo estimé que li suffisamment élevé qui fait plus que en 3 mois déportation parce que qui yo dit li fait environ 5 mois déportation parce que norme internationale là c'est que faut qu'on ait des réserves qui au moins égal à 3 mois déportation sous tavlé des réserves brutes qui au moins 3 mois déportation et banque centrale dit pour le moment réserve brute li yo c'est yo fait 4.4 environ 5 mois déportation en fait. Mais toujours est-il que moi-même personnellement, je souhaitais que la réserve internationale nette était plus élevée que Jean Yoye aujourd'hui, hein, parce que dans le temps, notamment sous président Préval, elle était relativement très importante. Et dans le dernier jour, ça, à force d'intervenir à chaque fois, il y a un problème et que Banque Centrale a essayé de compenser. Donc, on arrive dans une situation que la réserve a diminué drastiquement. De 1 milliard et juste passer de jusqu'à 750 millions pour arriver 142 millions. Là, on a parlé de réserve nette internationale net là. Donc, ce qui s'est passé là après réserve, ça a fini. C'est 142 millions fini, ça a passé. Monsieur, moi, je tourne sous même ça, nous te dit, monsieur, qui prévision pour tout le change là. Moi pas vle en aucun cas pas vle pour c'est moi même qui a participé à une forme de comment dire créer panique plus que ça que t'as supposé gagner là avec pénurie. Idéalement j'aime dire là le mieux c'est que ou gagne des réserves qui le plus élevé possible. Mais qu'on y a tout le monde généralement mon y a demandé pour ouais mon besoin dollar yo dit mandé BRH dollar mon besoin importé yo dit mandé BRH dollar ça pour mon y comprendre c'est que n'a pas importé pour environ 5 milliards
n'a pas exporté pour à peine 1 milliard. Donc reste là qu'on y a en grande partie, nous, généralement c'est transfert diaspora qui compense. Mais j'en ai dit tout à l'heure, gouverneur Banque Centrale a dit sous plus de 3 milliards de transferts, c'est à peine 375 millions qui entrent comme l'argent cash dans le pays. Donc ça veut dire que le problème raté est réel et qu'on y a chaque temps qu'on y a demandé pour BRH intervenu. Le pays est complètement bloqué, le pays n'a aucune activité pas faite. Même recette l'État pas diminué drastiquement. Conséquence là, c'est ça qu'on va dire là, réserve vient diminuer drastiquement. On y a, est-ce que c'est possible pour réserve continuer à diminuer comme ça? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que le cas encore descend plus bas toujours? Ça m'a même prononcé Msoni, seul ça m'a dit c'est que idéalement c'est que moi-même personnellement m'pa ta souhaiter que yo descende plus bas, que yo continue diminuer. Mais on y a, nous tourner dans même ça m'a dit tout à l'heure, si pas gen solution qui prend, ou ka pas gen solution qu'a envisager par rapport à des problèmes aussi graves, aussi inquiétants, et bon gen doit juste attendre nous à ce que ba yo a pe détérioré, dégénéré en plus. Mais conséquence surtout n'a pas, c'est que au tas qu'arrive dans une situation mon besoin importer une série de produits et puis nous pas gain capacité pour importer parce que l'importation a fait en dollars justement et que nous pas gain dollars pas rentrer. Ça c'est une éventualité. Merci un peu l'économiste Thomas Lalim. C'est moi qui remercie, nous à bientôt. C'est Thomas Alalim qui était passé un bon bout de temps ensemble avec nous et mercredi n'a bien pour nous recevoir économiste Cédien Rémil pour un bilan économique pour l'année 2022. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à Grèce Mondelan réveillé pour matin. Pour l'occasion, presque arrivé dans Boutlim, information, ça, qui vient pour avec assassinat Franklin Tamar, qui c'est animateur émission Compa, avec samedi, culture sur antenne radio Solidarité, qui est mort assassiné ou bien un babal bandit, tout près la Kaeli, dans centre-ville Port-au-Prince, Venel Romaret, PDG Radio Solidarité, qui n'était pas la CLI pour Caraïbe FM, confirmé, que le Paguen trop détails concernant circonstances assassinat un journaliste Franklin Tamar. Sans les pas te penser, c'est après le jour pali jeudi, donc hier 8 décembre qui s'est passé là dans un poste l'unité fait sur page Facebook li Franklin Tamar et dénoncé lenteur qui gagnait non assassinat un animateur pareil li Cheristin Ferdinand alias Mass Design, nous songe ça qui était mort assassiné 7 décembre 2000 15. Ça fait déjà 7 années. C'était devant la Kaili dans Delma 75. Hier dimanche, là, fait exactement deux mois depuis individu pas identifié était enlevé et puis assassiné 8 jours après. Tess Gary, animateur émission débat politique Grand La Cour sur Radio Le Bon FM, département sud payan. Jusqu'à présent, pourquoi gain aucun monde qui a arrêté dans le cadre de dossier ça. Nous allons parler avec un avocat qui a soutenu un dossier ça. Nous voulons parler, qui a soutenu un dossier ça. Nous allons parler avec lui rapidement pour qu'on ait à quel niveau dossier ça lié. Nous allons parler de dossier Tess Gary qui lui-même nous songeait qu'il était joint cadavre dans la zone Foucault, dans la zone Foucault qui est 4e section communale, la commune Okaï, maître Josias Jean-Pierre avec nous. Bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, Pierre. Et Johnny Fernand. Il y a des gens qui sont mes panels importants et gros émissions ça matin. Nous pouvons saluer les collègues de l'an,
ça et tout le monde qui a parlé émission ça et son plaisir pour nous répondre à question nous. Oui, donc nous souhaitons avoir plus de temps, mais les aguettes pas avancé. Pour nous, mes messages aujourd'hui, là, deux mois après l'assassinat de Tesgaria qui s'allie pour nous capables de picoter. Ah oui, malheureusement, je n'ai pas assez de temps parce que nous souhaitons que l'intervention nous permette au public de comprendre le dossier et Tesla pour nous être capables et comprendre tout ce qui fait dossier et traîner. Donc rapidement, Tess, comme vous so dit, c'est animateur émission Grand Latour en Radio Les Bons FM. Pour nous comprendre ce qui passe, d'abord, il faut que nous gardions des typologies faits, nous souhaitons qu'on dénonce. Gardez principales autorités qui étaient objet de dénonciation ça yo et gardez personnalité et victime pour nous comprendre d'abord ça qui passe à d'abord monsieur était qu'on a dénoncé des faits de corruption et des faits de barbarie et que autorité dans juridiction ou dans pays au niveau national et Borussia dans juridiction tribunal première instance au Kaela et principale autorité qui était sous projecteur donc journaliste là c'était et ancien commissaire gouvernement au Kaela Ronald Richmond et qui ingénieur et par une doctrine personnelle à lui-même qu'il créait que au Kaela le Richmondisme qui sont doctrines terroristes et de prédation et population. Hein. Maintenant, peste qu'on a dénoncé fait ça, yo. Et li, comment Richmond lui-même il procédé dans la juridiction, hein. Il a enlevé ou d'abord, il séquestré, il torturé, et puis